Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Merci d'être fidèle au rendez-vous de Croco Hebdo comme tous les mardis soirs à 19h45. Toute l'actualité du Nîmes Olympique. Retour sur la 15e journée cette semaine avec la défaite au Costières. Ça faisait quelques semaines que ça n'était plus arrivé, plus précisément quelques mois, depuis le revers concédé devant le Gazélec Ajaccio. Défaite devant le Racing Club de Lens, un club qui ne porte pas bonheur à domicile au Nîmois, puisque les Nîmois ne se sont jamais imposés à domicile depuis que les Costières existent, devant les Sang et Or, qui évoluaient en noir vendredi soir sur la pelouse des Costières. Avec nous, pour évoquer cette actualité, nos consultants, Patrick Champ, bonsoir. Bonsoir Olivier. Et bonsoir Christophe. Voilà, on a inversé. C'est pour ça que je voulais le prendre à contre-pied. Un petit peu à contre-pied, une deuxième intention. Voilà. Bonsoir Patrick, exactement. Merci à tous deux d'être présents pour cette nouvelle émission. Et puis on a le grand honneur d'accueillir l'attaquant et le buteur du Nîmes Olympique, Sédou Koné. Salut Sédou. Salut. Merci. Le Koné adore. Exactement, d'avoir répondu à notre invitation devant le joli croco de nos amis supporters. Alors on va revenir sur bien ce match de vendredi au Costières, revenir également sur les réalisations victorieuses de Sédou au cours du dernier match. Vous allez voir, il y a quelques jolis buts qu'on va revoir et redécrypter aux côtés de notre invité. Mais avant cela, on va lancer notre fil rouge de l'émission. Devinez quel est le joueur mystère du Nîmes Olympique dans cette collection Panini qui nous est chère. Alors je vais demander bien évidemment au public de ne pas souffler, de regarder bien attentivement les moustaches de ce défenseur du Nîmes Olympique qui a écrit quelques belles pages au sein de ce club. Ça va être le fil rouge, rouge comme les Nîmois. Patrick, je sais qu'il a déjà trouvé. Olivier hésitait avant l'émission. Est-ce qu'il a... Un petit peu avancé ou pas? Ça vient pas. C'est nous? Non, je connais pas. Ouais, ouais. Il n'était pas né. C'est nous. Je connais pas. Bon, mais on y reviendra un peu plus. Vous allez voir, quand vous allez voir la photo d'aujourd'hui, vous me direz, je connais bien. Allez, on attaque immédiatement avec des joueurs du Racing Club de Lens. Le déplacement des nordistes sur la pelouse des Costières. Joueurs dont on sait qu'ils sont coachés maintenant depuis plusieurs semaines par l'ancien joueur et l'ancien défenseur des Sang et Or, Eric Sikora, rappelons-le, champion de France en 1998 avec ce même Racing Club de Lens, et qui tout au long de sa carrière n'a porté qu'un seul maillot, celui des Sang et Or, de ce club nordiste du Racing Club de Lens, qui était très attendu, on le voit Olivier, parce que c'est un club, on le sait, qui a la culture un petit peu de la Ligue 1 et qui dispose d'un effectif très riche. Oui, avec beaucoup de joueurs expérimentés, comme on dit, avec Eric Sikora qui a repris un peu le club et l'équipe en main. Et puis surtout une équipe qui était sur une dynamique très très positive. Donc on s'attendait à un match très difficile, on espérait casser un peu leur cycle, mais voilà, ça a été plus compliqué que prévu. Alors qu'on voit ici l'échauffement des joueurs, on va enchaîner avec la composition de ce 11 aligné par Eric Sikora, avec dans les buts une ancienne connaissance régionale. D'une part parce qu'il a porté les couleurs de Montpellier, mais aussi celles de l'Olympique de Marseille. Il s'agit de Rudy Rioux. Et puis cette organisation en 4-4-2 ou 4-2-2-2, selon les philosophies, Patrick. 4-4-2, ouais, disons que c'était. Après, surtout avec devant deux joueurs, Ndiaye et Paulé, qui ont posé énormément aussi. Et Paulé, on a été surpris par l'abattage physique qu'il a pu avoir aux avant-postes. Il a couru sans arrêt et il a donné après des brèches pour ses milieux offensifs qui étaient derrière. Donc, ça a été un joueur qui a compté énormément pour le club lensois. Et on va revenir sur l'entrée sur la pelouse des Costières des joueurs nîmois. Belle affluence vendredi soir aux Costières. Ce n'était pas la meilleure affluence parce qu'on n'a pas battu les 6500 spectateurs lors du déplacement d'Arles, lors du week-end prolongé de la Toussaint. Par conséquent, il y avait exactement 6043 spectateurs. Deuxième meilleure affluence depuis le début de la saison aux Costières, avec des gens qui sont arrivés progressivement, on le rappelle, du fait de ces horaires qui... Eh bien, cause un petit peu la contestation au sein des supporters à 18h45. Ici Cyril Merville, sous l'échauffement de Sébastien Jiménez et sous le regard de Haïdar Al-Shaibani. Un petit peu un point de vue, c'est doux, sur la préparation du match. Comment a été la semaine au sein du collectif? On a senti des joueurs très concernés, avec surtout cette idée de garder l'invincibilité des Costières. Hein. Ouais, mais franchement, le coach nous a beaucoup parlé, il nous a dit ce qu'il fallait faire. Et tous les joueurs étaient concentrés, ils étaient prêts à,
affronter ce match. Et on était beaucoup concentrés. Ouais. Parce qu'on voulait gagner ce match. Et si on gagnait ce match, on allait être mieux placé. Et ça allait être bien pour nous. Donc, on était concentrés. On rappelle les positions très serrées au classement. Ouais. Avant ce match, c'est vrai que 3 points auraient permis au Nîmes Olympique bien de passer dans la première partie du tableau et qui plus est de dépasser le Racing Club de Lens. On va voir le 11 aligné par Victor Zvenka avec l'absence qu'on avait signalée jeudi soir lors de notre avant-match. Croco Hebdo, l'avant-match, on le rappelle, tous les jeudis à 21h15 de Morita Laola Ogunbi qui se ressentait d'une légère blessure à la cuisse contractée lors du match de Coupe de France contre l'Uzenac. Retour de Nicolas Benezé, qui était attendu, lui, après la blessure reçue face à Dijon. Et puis, le traditionnel, les deux milieux défensifs, comme la Namehou, Pierre Boubi, la charnière classique, inchangée depuis quasiment un mois. Vincent Granic en milieu offensif, Mathieu Robaille dans le couloir gauche et Patrick Seydoux avec la place de titulaire et de pointe à l'attaque des Crocos. Ouais, disons que c'était une équipe qui a été mise par Victor pour gagner le match. D'abord, on a vu, il y a eu une entame extraordinaire des Nîmois qui n'a pas été payée puisqu'au bout de 15 minutes, quand même, on a fait un jeu de très bonne facture. Il n'a manqué que cette concrétisation. Mais je crois que, comme l'échauffement, on avait vu à l'échauffement avec Olivier, on en parlait, on les sentait concernés. Et cette entame de match est certainement une des meilleures en termes de match depuis le début de la saison qu'on ait vu au stade des Costières. On aura l'occasion d'y revenir en regardant justement les meilleures actions de cette première mi-temps et peut-être des fautes qui auraient mérité un jugement différent de la part de l'arbitre de cette rencontre, Christian Guihard, qui avait déjà arbitré les Nîmois lors de la défaite à domicile, la première de la saison, devant le stade Malherbe de Caen. On démarre immédiatement avec le résumé de la partie. Depuis 2 mois, les Costières semblaient être devenus une pelouse imprenable pour les équipes adverses. La venue, vendredi soir, du Racing Club de Lens en terre nîmoise a marqué un coup d'arrêt pour l'équipe de Victor Zvenka, sèchement battue 2-1 dans le cadre de cette 15e journée de Ligue 2 et face à une chambrée de 6000 spectateurs. Une 3e défaite à domicile cette saison qui ne saurait occulter les belles intentions du Nîmes Olympique en termes de jeu. Des occasions de part et d'autre qui allaient finalement sourire aux visiteurs, avec au quart d'heure de jeu un ballon mal négocié par la défense nîmoise et repris victorieusement par Nomen Janahari pour son premier but de la saison. À 0-1, les joueurs nordistes allaient accentuer la dureté de leur jeu défensif face à des Crocos plus que jamais désireux d'en découdre. Un score qui allait en rester là jusqu'au repos avant que les Costières ne subissent deux nouveaux coups de grisou lensois. Successivement, Paulé, à la 52e, puis Lemoigne, 10 minutes plus tard, battait Cyril Merville sur 2 buts signalés hors jeu. Un signe du destin qui allait raviver les espoirs nîmois peu après l'heure de jeu avec un centre en or de Granic, magnifiquement repris de la tête par Seydou Koné pour une égalisation en 2 temps de la part du buteur ivoirien. Quand on a égalisé à 1, on s'est mis encore chiffon pour mettre ce 2e but. Et sur une contre-attaque, on a pris ce 2e but qui nous a fait mal, ce qu'on ne mérite pas de perdre aujourd'hui. C'est vrai que c'est rageant, frustrant, énervant. Alors que le match nul semblait se dessiner entre les deux formations, le goléador des 100 et or, Pierrick Valdivia, anéantissait les espoirs nîmois dans le dernier quart d'heure, adressant une frappe à ras de terre, synonyme des 3 points pour une équipe lensoise qui n'a jamais connu la défaite aux Costières. C'est quand même une belle victoire. De toute façon, on s'attendait à un match difficile. Nîmes a un peu le même parcours que nous depuis la 8e journée. Hein. Elle a pris un point de moins par rapport à nous, mais elle a démontré ce soir que prendre des points ici, ça allait être compliqué. On s'en sort bien, mais quand on n'est pas trop bien, il faut aussi savoir gagner ce genre de match et ils l'ont fait ce soir. Quand je vois le but que l'on prend, le 2e, c'est vrai qu'à un moment sur cette action-là, Nico, il est sur la ligne des 18 mètres. Il y a pratiquement 7 joueurs alignés sur le même truc. Contré, et derrière, on prend le but quand même. Donc ça montre bien qu'à un moment donné, on a ce manque de vouloir tellement aller de l'avant et de marquer que par moment, on oublie un petit peu que on est sur un adversaire qui, lui, joue les contres à fond et qui est très dangereux justement de ces situations-là. Vendredi, sur la bien nommée pelouse de Jean Bouin, les footballeurs nîmois tenteront de briser le signe indien face au SCO d'Angers, étonnant 6e de Ligue 2.
Si l'on parle de Jean Bouin, c'est bien évidemment pour faire un clin d'œil à la pelouse historique du Nîmes Olympique. Avec, tiens Patrick, ça nous permet de rebondir sur l'actualité, le site de Jean Bouin qui maintenant a du synthétique et qui va accueillir une belle opération. Oui, effectivement, le 8 décembre, le samedi, il y aura le Téléthon. Donc, c'est bien sûr au profit de cette organisation. Et je crois qu'on a déjà 26 équipes qui vont se rencontrer sur le stade Jean Bouin, avec notamment l'équipe La Bombonera, l'équipe d'Olivier, TV Sud, le Montbébar. Enfin, disons qu'il y a beaucoup d'équipes qui se représentent. Et bien sûr, le HBCN, qui nous font le grand honneur, les filles, de venir faire un match exhibition à 11h entre elles. Il y a une balleuse nîmoise. Une balleuse nîmoise, bien entendu. Et ce sera le samedi 8 décembre De 9h. Au stade des Costières. Au stade de Jean Bouin. Jean Bouin. Voilà. Oh, Jean Bouin. Décidément, j'étais dans mes Costières. Allez, on va retourner justement au Costières avec l'ouverture du score par le Racing Club de Lens. Et on le disait, Olivier, quand même, ce but, cette ouverture du score, ne récompense pas les efforts nîmois au vu du démarrage de la partie et du rythme employé. Même si Lens a de la qualité, je remarque, et on l'a noté tous, qu'ils ont marqué dans leur temps faible à chaque fois. Notamment le premier où c'est vraiment une chance inouïe, le ballon il retombe dans les pieds, regardez il est là, il est perdu au milieu de la surface, le ballon vient sur lui, il est tout seul, pas un défenseur parce que personne ne s'attend à ce que le ballon revienne sur lui. Je veux dire c'est un cadeau quoi, c'est une chance inouïe pour lui de concrétiser, ça nous arrive rarement nous ce genre de situation. Puis voilà il rate pas l'occasion, il a mis des barres. Et les Nîmois étaient dans un temps fort à ce moment-là, donc voilà c'est ça qui est regrettable. Je crois qu'Olivier a dit, c'est vrai, on avait le temps fort et on prend ce but, c'est vrai qui nous fait très très mal. Hein, parce que c'est vrai que c'est nous qu'on donne le but. Donc c'est une faute individuelle, un mauvais contrôle. Et on a payé cash. Et je pense que Cédou aurait aimé avoir un ballon comme ça, une offrande de cette à 6 mètres des buts. Ça n'arrive pas, ça pour nous. Ça n'arriverait pas encore. Voilà. En tout cas, Cédou aura été l'égalisateur au cours de cette partie, un peu après l'heure de jeu, en seconde mi-temps. On va redécouvrir les images. Je vous propose, Cédou, un petit peu de commenter comment vous gérez la première balle de la tête sur un service de Granic. Le gardien, il fait un bel arrêt. Franchement, je mets le ballon où il arrive. Comme on le dit dans les centres de formation, on nous dit voilà, il faut faire ça, il faut toujours remettre le ballon d'où il vient. Et j'ai fait pareil. Et le gardien il a fait un bel arrêt. Et je vois le ballon qui revient sur moi. Et je n'ai pas hésité à mettre le plat du pied. Vous relevez très rapidement, toujours garder l'instinct du buteur. Voilà. Hein. Oui. Anticipé sur la réaction du gardien. C'est vrai que Rudy Rioux avait effectué une très belle parade. Mais vous avez. Il garde la lucidité pour mettre au plat du pied dans l'espace libre. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, là, en se relevant avec l'adrénaline, à mettre un gros coup de pied là, pour que ça rentre. Et finalement, lui, il garde la lucidité. C'est le sang-froid des attaquants. Parce que d'autres auraient mis un gros coup de pied au milieu des buts. Et ça faisait un partout pour, entre le Nîmes Olympique et le Racing Club de Lens. Malheureusement. Eh bien, il y a eu eh bien, ce ballon, on va dire plutôt mal géré. Victor Svenka le disait parce qu'à un moment, les milieux défensifs nîmois vont au contre. On va voir la Pierre Boubi surgir. Mais il y a cette récupération de balles et d'un tir qui, à l'entrée, en tout cas toujours à l'extérieur de la surface de réparation, ras de terre, ça a été imparable. Mais le reproche qu'on peut faire, c'est vrai qu'on le perd au milieu de terrain, mais après les trois défenseurs, il y en a un qui doit sortir sur le porteur du ballon pour faire exentrer, reculer. On a reculé. Et ça a donné. Un espace extraordinaire pour le frappeur, bon, c'est dommage, parce que ce sont deux erreurs de notre part, c'est ce qui est dommageable sur cette rencontre, parce qu'on la domine, même si c'est une très très belle équipe de Lens, il ne faut pas non plus usurper leur victoire, elle est peut-être méritée, mais je crois que les Nîmois méritaient facilement le nul, suite à la débauche d'énergie, au talent qu'ils ont mis, ce qui est dommage, c'est sur le plan comptable aujourd'hui, où c'est vrai que c'est un peu embêtant, puisque bon, on se retrouve quand même derrière nous, et... Il n'y a qu'un point de différence avec les relégables. Mais vu le jeu qui a été produit par les Nîmois, moi je ne doute pas et je suis persuadé qu'on arrivera à enchaîner des victoires. Alors sur le but, Christophe, on sent que Moussa il est fixé par l'attaquant justement. Et sur le côté, il a un joueur, donc il ne peut pas forcément monter parce que sinon il y aurait décalage de fait. Et je pense que c'était un des deux centraux, sûrement Benoît, à monter sur l'attaquant et Sidibé restait au cas où la passe arrive. Et voilà, je pense qu'on a trop tardé. Je pense que Moussa attendait justement que Ben monte et ça ne s'est pas fait. Et du coup, ben voilà, après, il a eu l'adresse pour la mettre, mais il y a une petite mésentente au niveau défensif. On va revenir justement sur les actions de cette première période.
principalement, avec un fait de match, c'est la dureté du jeu lensois et de très très grosses fautes qui ont été réalisées. Là, on voit notamment Noumen Djanari, le buteur. La faute du premier buteur lensois. Là, il prend pas Djanari, ça c'est exceptionnel. Quoi. Sur Mathieu Robail, les différentes occasions, la belle réaction d'orgueil d'ailleurs des Nîmois ouais. Sur les premières, là, les premières frappes, les premiers coups de pied arrêtés. Le pénalty sur Pierre Boubi, oui. Qui n'a pas été sifflé, alors qu'il y avait peut-être matière à discussion et à réflexion. Ici, cette balle détournée qui manque de lober Rudy Riou par l'un de ses défenseurs. Est-ce que vous avez été étonné, Cédou, justement, par l'impact physique et parfois la dureté des interventions des Lensois dans le jeu? Bon, moi, franchement, j'ai pas senti ça. Et j'ai vu mes partenaires à terre à chaque contact. Et voilà, je sais pas comment le dire, mais moi j'ai pas senti qu'ils étaient agressifs et tout ça. Mais bon, après moi j'étais dans le jeu, je voyais pas, et ceux qui étaient dehors pouvaient dire. Disons que c'est doux, lui, dans son duel qu'il a eu avec Yaya, souvent. Là, hein. Ça a été un grand duel, mais ouais. C'est vrai que là, à ce niveau-là, il n'y a pas eu de gros soucis. Non. C'est surtout au milieu terrain ou derrière, les fautes qui ont été faites. Bon, c'est tout, c'était peut-être à part, mais le reste, ça, on les voit, les Lensois, à ce niveau-là, mais ils ont fait beaucoup de fautes. L'anti-jeu. C'était physique. Je pense aussi de casser le rythme. Parce que ce Bailly aussi, il a mis les tempos comme il fallait. Je veux dire, on a rendu ce qu'il fallait, mais moi, je trouve que c'est l'anti-jeu. Quand on voit le plaquage sur Robail de Noumen Djanari, là, c'est celui sur Benézé était joli. Sur Benézé, c'est complètement volontaire. Et voilà, ça, c'est ça qui est insupportable. Et puis, ils ont gagné du temps. À chaque fois, ils jouaient la montre. Enfin, ils ont joué comme une équipe de sénateurs. Et l'arbitre était dans. Validait tout ça, quoi. C'est ça qui était un peu frustrant, quoi. En tout cas, M. Guillard, qui ne nous aura pas fait de cadeau au Costières. On a pas eu un avantage maison. Un arbitrage maison. Non, ça n'existe pas, ça. En tout cas, ça a été une première mi-temps des plus animées et qui a été du goût du public. Les spectateurs vraiment se sont mis derrière le Nîmes Olympique pour pousser les joueurs parce qu'on les sentait très motivés. Ben, disons qu'il y avait la technique, du physique, il y avait tout, disons, tous les ingrédients étaient là, et le rythme, et le public, il aime ça au Costières. D'abord, on l'a vu. Pour ça que je suis surpris que d'autres personnes puissent dire que ça a été un match, un très mauvais match des Nîmois. Moi, je ne suis pas du tout d'accord. Je crois qu'Olivier... abonde dans mon sens. On a vu une bonne rencontre de football, avec hélas une défaite des Nîmois, mais qui n'ont pas à rougir de cette défaite. Alors que l'on voit ici les dernières offensives de cette première mi-temps, le but à la 15e minute de Noumen Djanari. Trois cartons jaunes en faveur des Lensois lors de cette première période, contre le capitaine Jérôme Lemoigne, Berdych ainsi que Demé Ndiaye. À la demi-heure de jeu. On va observer une courte pause dans cette émission et puis se retrouver avec notre invité Cédou Koné ainsi que nos consultants Olivier Martinez et Patrick Champ pour continuer à analyser ce match et à préparer les futures rencontres du Nîmes Olympique. Croco Hebdo, seconde partie sur le plateau de TV Sud avec Cédou Koné, le meilleur buteur du Nîmes Olympique aux côtés de Vincent Granic avec 5 réalisations victorieuses depuis le début du championnat de France de Ligue 2. Face à lui, Patrick Champ, Olivier Martinez. On revenait sur les temps forts de cette partie, malheureusement perdue par les Nîmois face à Lens vendredi dernier aux Costières, avec les actions chaudes de la deuxième mi-temps qui ont amené justement l'égalisation et qui ont vu l'égalisation par Cédou. Nicolas Benézé très actif, qui a pas mal de fois permuté Olivier avec Mathieu Robail. Et Nicolas nous disait qu'il se sentait vraiment beaucoup plus à l'aise lorsqu'il se trouvait dans le couloir gauche qu'en étant à droite, comme il était initialement titularisé par Victor Zenka. Il préfère jouer à gauche, comme ça il pourrait venir son pied droit. Mais le coach lui a demandé pour les besoins de l'équipe de jouer à droite, donc il a fait. Et il y a une fois, il a permuté, puis il est resté plus longtemps que prévu à gauche. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé des situations très dangereuses, et je crois que c'est là qu'est arrivé le but. Des Nîmois ouais. qui n'ont jamais baissé les bras, notamment après les deux frayeurs qu'on a vues en première partie d'émission avec ces deux buts hors-jeu qui, s'ils ne l'avaient pas été, auraient pu quelque part peut-être sceller le sort de la partie et donner encore un petit peu plus de confiance à celle en soi. C'est ce que l'on voit fort heureusement. Les assistants Sébastien Denis et Yannick Boutré, les assistants de M. Guillard, veillaient au grain
face à Célensois qui étaient venus pour faire un résultat. Ils étaient aussi sur une bonne dynamique. Et on voit ici aussi le côté décisif du portier Croco, tout de blanc vêtu, Cyril Merville, avec des relances très rapides en jouant sur les couloirs. Relance à la même. Jeu musclé. Coup franc ici pour les Lensois. Encore une fois, une reprise victorieuse, fort heureusement, qui sera signalée hors-jeu par Christian Guillard. Et un jeu qui va progressivement s'équilibrer jusqu'à l'égalisation, Patrick. Petite faute sur cette action. Quel a été le discours du coach Cédou à la mi-temps, justement, pour aller chercher ce but égalisateur? Comment? Quel a été le discours du coach à la mi-temps pour aller chercher ce but égalisateur? Il nous a parlé tranquillement dans le vestiaire à la mi-temps. Il nous a dit de rester serein, de continuer à travailler, de ne pas baisser les bras parce qu'il y avait moyen de pouvoir égaliser et peut-être même marquer un deuxième but. Et c'est ce qu'on a fait quand on est revenu à la mi-temps. On a essayé de jouer comme on savait le faire. Et c'est comme ça qu'on a pu égaliser. Et après, on encaisse le deuxième but. C'est quand même dommage. Hein. C'est quand même dommage de prendre ce deuxième but là. Mais bon, ça va nous servir pour les matchs à venir. Et lorsqu'on voit le nombre d'occasions également, messieurs, fin de match. On se rend compte, c'est vrai, que Nîmes méritait mieux. Et on comprend mieux pourquoi, à la fin, le public a vraiment scandé les Nîmois, parce que c'était quand même une très belle partition proposée par l'ensemble des acteurs. Parce qu'on dit, les supporters, ils voient les gens qui ne trichent pas. Quand ça joue bien, ils ont d'abord récompensé le joueur, ce qui est très, très rare à Nîmes, de perdre et d'être applaudi. Bon, ça quand même, ça réconforte un peu les joueurs. C'est vrai que ça ne donne pas la victoire ni le point du nul, mais ça ne fait rien. Ça permet aux Nîmois de partir peut-être avec d'autres bases, en sachant que si on gomme ces deux erreurs, parce que ce sont deux erreurs individuelles, on peut quand même gagner des matchs. Hein. C'est vrai que ça va être serré tout au long de la saison. Mais je crois qu'il faut gommer ces petites erreurs qui, en Ligue 2, ne passent pas. Ça fait chaque fois but. Alors, surtout qu'on se crée des occasions. Ouais. Et surtout que Cyril Merville est en train de revenir à son meilleur niveau, celui qu'on avait... On l'avait connu à Arles-Avignon notamment, où il était énorme. Et là, je trouve que Cyril, derrière, est en train de devenir très solide. Et notamment après la série de pénaltys remportée face à Luzenac. On évoquait pendant la pause publicitaire et également dans les commentaires du match que vous avez peut-être vu hier sur TV Sud. Le match, je rappelle, tout le lundi à 19h45 pour le Nîmes Olympique. Une question, on va lancer les images concernant vos crampons, Cédou, avec une pelouse parfois qui peut piéger. Et donc, Patrick s'interrogeait là, on va vous voir glisser. Alors, vous nous expliquiez que vous portez des crampons vissés exactement. Ouais. Donc là, on vous voit changer de chaussures. Qu'est-ce qui se passe exactement ça? Parce que les crampons que j'avais, là, elles étaient trop petites et cette partie du terrain, c'était l'enfer, quoi. Tu pouvais pas contrôler un ballon. Parce que là, deux fois, je tombe, je dis « Oh là là, ça va pas, il faut que je change de chaussures. » Et moi, j'ai toujours joué avec des vissés. À l'entraînement, oui, je me permets de mettre des moulées. Mais là, au match, je ne peux pas me permettre de mettre des moulées. Quoi. D'ailleurs, je suis obligé de jouer avec des vissés. Donc, j'ai toujours joué avec des vissés. Je n'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, Pierrick Valdivia, le joueur lensois, est allé dans le sens assez doux en disant que de l'extérieur, on a l'impression que la pelouse était magnifique, mais qu'en fait, quand on était dessus, elle était bizarre, comme il a dit. C'est-à-dire qu'il y a des parties qui étaient très, très, très grasses, très glissantes, et donc ça ne permettait pas forcément de bien tenir sur la pelouse. Donc c'est vrai que même le Lensois avait trouvé la pelouse un peu particulière. La réaction des acteurs de cette partie à notre micro, on commence par Nicolas Benezé. On a fait un bon match, on a eu les occasions en première mi-temps, on les a surtout eu en seconde. C'est vrai que c'est rageant parce que derrière ils ont été solides. Nous on a fait ce qu'il fallait devant pour marquer ce deuxième but et on n'a pas réussi. C'est frustrant. Si encore on était nuls et qu'on n'avait aucune occasion, ok. Mais là on fait des bons matchs, on se crée des occasions. Après voilà, on a un manque de réalisme qui se fait depuis quelques matchs. Il faut qu'on arrive à gommer tout ça et être plus réaliste devant le but.
On l'évoquait en première partie d'émission, il fut un défenseur historique du Racing Club de Lens. Aujourd'hui, il est le coach depuis quelques semaines. Voici la réaction d'Eric Sikora. On est sur une bonne dynamique et je pense que sur le plan mental, moral, ça va faire du bien pour le prochain match à Bollard où on va recevoir Laval et qui peut nous permettre de prendre un peu d'air par rapport à ces dernières places où l'objectif du début, quand on a pris l'équipe, c'était d'atteindre ces 43 points le plus rapidement possible pour espérer jouer autre chose après. Donc là, on est sur le bon chemin, mais il faut pas s'enflammer. Il faut continuer à travailler. J'ai un groupe qui le sait. Ce soir, ils l'ont démontré. Et ce soir, ce match Nîmes-Lens a prouvé que le championnat allait être compliqué jusqu'à la fin, qu'il ne fallait pas se relâcher. Et d'un coach à l'autre, Victor Zvenka, l'entraîneur des Crocos, forcément déçu, mais avec la satisfaction du jeu et du rendu donné sur la pelouse des Costières. Écoutez, moi je me suis d'abord régalé, non parce que j'ai perdu, mais bon, je trouve que ça a été un beau match de football contre une belle équipe qui est solide, qui a déjà du métier, parce que bon, ils ont fait, c'est pour ça que je disais qu'il y a l'arbitre à la fin du match, qu'il a pourri le match. Il a pourri le match parce qu'il a laissé, au départ, laisser certaines situations et arrêter l'adversaire, arrêter très souvent en faisant des fautes grossières. Et bon, notamment, je parle déjà pour nous, puisque bon, Salah doit prendre un carton jaune pratiquement sur la première action. Mais aussi de l'autre côté, quand Robay s'en va et que bon, il saute carrément sur le dos, bon, il ne paie pas de carton là-dessus. Puis après, de l'autre côté, Berich, il a mis deux attentats. C'est deux attentats sur... Donc je dirais qu'il a laissé pourrir. Et puis naturellement, bah, j'oublie un peu les pénaltys parce que bon, il y en a au moins un en première mi-temps. Bon, passons. Donc je dirais que avec ce genre de rencontre où ça a attaqué d'un côté, ça a attaqué de l'autre, on sentait que c'était un match ouvert. Bon, quand il y a eu l'arrêt de jeu avec l'arbitre, avec le gardien qui s'est blessé, je savais que l'équipe de Lens ne baisserait pas les bras et qu'il continuerait à aller de l'avant. Je savais que ben, pour nous, c'était la même chose, parce que bon, on n'allait pas fermer le jeu, on est à la maison quand même. Et donc je pense que là, à ce moment-là, la récompense est venue peut-être plus du côté de Lens que nous, puisque bon, on a quand même encore des situations pour égaliser, notamment dans les arrêts de jeu. Je crois que bon, sur l'ensemble du match, ça aurait été une belle récompense pour mon équipe. Bon, maintenant, l'équipe de Lens a été sûrement plus réaliste que nous. Et on va revenir sur les résultats de cette 15e journée très rapidement, passer les différents tableaux. Donc défaite pour le Nîmes Olympique, défaite également pour le SCO d'Angers à Caen, le futur adversaire des Nîmois. Belle réaction d'orgueil des Arlésiens sur la pelouse des Istriens lors du derby provençal, victoire 1-0 de la CA. Laval emporte très nettement face à Dijon 3-0. Le Mans est battu à domicile par Guingamp. Match nul entre Niort et Châteauroux. Victoire à l'extérieur du Havre sur la pelouse de Sedan. Le Tour FC l'emporte 2-1 face au Gazélec. Le Mans l'emporte à Auxerre 2-0. Enfin, hier soir, l'AS Monaco s'est imposé 1-0 sur la pelouse de Gabriel Montpied à Clermont-Ferrand. Au niveau du classement, l'AS Monaco reprend la tête du classement du fait d'une meilleure différence de but. Mais vous le voyez, c'est très très serré. 3 points d'écart entre le premier et le quatrième. Le quatrième qui n'a que 3 points d'avance sur le sixième. Le futur adversaire des Nîmois. Des Nîmois qui demeurent 13e dans le groupetto avec Le Mans, Clermont et Auxerre. À un seul point d'avance sur le premier club en position de relégation, l'ACR Lavignon à égalité avec Châteauroux, avec Niort, pardon, ferme la marche le Gazélec et Sedan qui n'a que 3 points de retard sur les Corses. Le programme de la 16e journée qu'on va découvrir, le déplacement vendredi soir du Nîmes Olympique sur la pelouse du SCO d'Angers, Arles qui accueille Le Mans et puis vous le voyez, d'autres rencontres, Gazélec Clermont, le Racing Club de Lens qui accueille Laval, le premier contre le dernier Monaco-Sedan, et puis les matchs décalés du samedi et du lundi. Puisqu'on est avec notre invité Sédou Koné, on va parler un petit peu but, et on va proposer à cet effet à notre buteur de restaurer notre rubrique traditionnelle du décibélomètre, l'occasion de revoir les plus beaux buts de la saison commentés par nos consultants de choc. Attention, ouais. Allez, il y a un contre, 3 contre 3. Au coup de mille, ça va vite. C'est là qu'il ne faut pas gâcher, c'est là qu'il ne faut pas gâcher. Oh, que c'est bien joué. Donne-la. Oh, quelle action. Action extraordinaire des Nîmois. Quel altruisme. Fabuleux, oh là 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 là, super.
superbe action. Quel altruisme des Costières. On se régale aujourd'hui aux Costières. C'est du football champagne. C'est de la Ligue 1. Et il est dégoûté parce que Benezet, même quand il marque, on va féliciter le passeur. Quoi. Ouais, ouais, ça c'est hyper, hyper bien. Oh, le contre. Le contre, ah, le contre des on le disait. On le il y a disait. De la vitesse, il y a de la technique, il y a de l'altruisme, il y a de tout dans ce mouvement. Ah oui. Allez, Granit. Allez, oui, il se retourne, c'est bon. Oh, ben, ça avance avec le ballon, il faut aller de l'avant. Voilà, allez. Allez, prends l'espace. Allez, Nico, on avance. Allez, Sidibé, Sidibé, là, Sidi donne. Allez, Mousse, donne-lui à Mousse. Oh, que c'est bien joué, allez. Ça. Allez. Oui, oh, but. C'est bien le but. Extraordinaire, on le voulait, on le savait. Oh, eh oui, superbe but de Koné, il le méritait bien, il le méritait bien. Benezet qui a temporisé, qui a décalé dans le bon timing. C'est Sidibé qui à Koné qui l'a poussé au Ah oui, quel match, on se régale aux Costières. Et je vous dis, ce n'est pas fini messieurs, ne partez pas à malheur. Le stade, il va y avoir encore des buts sur cette pelouse des Costières qui avait longtemps, qui n'avait pas vibré avec autant de buts. Oh là là, quel but de... Quel but, superbe but. Là. On avait annoncé, Claude l'avait dit que Koné marquerait parce qu'il était tellement bien ce soir. Mais quelle action. Et quel bonbon de C'est un bonbon de Sidibé, je crois que... Et encore le travail de Benezet. Tu disais que Benezet est sur tous les buts, et bien ouais, en effet, il est sur tous les buts. Pour les Arlésiens à nouveau, attention, c'est bien frappé. Merville boxe encore ce ballon. Koné qui va s'en emparer, bien joué, Granic, Benezet. Allez, il faut aller au bout, il faut aller au bout. 3 contre 3, garde la vitesse. Vas-y, mon petit, fini. Oh là là. Oui. Et superbe but de Granic. Quelle action avec Granic. La frappe de Benezet qui est revenue sur la tête de Granic et deuxième but des Nîmois. Alors ça devient du football champagne actuellement au Costières. Mais quel opportunisme, quel opportunisme pour Granic. Ce gars-là, il est maintenant le ballon. Mais Benezet, il a dû mettre une mine pour que Butel il puisse pas la récupérer. Mais je crois sincèrement que Benezet doit y aller seul. Il a raison de faire ce qu'il fait. Après, il marque pas, mais en tout cas, il a raison de faire ce qu'il a fait. Tout et avec fait, beaucoup de chance, Olivier, le ballon revient sur la tête à Granic. On ne conteste pas le fait qu'il a dû être touché. Oui, tout à fait. C'est un fait de jeu. Alors que c'est bien tiré. Ça passera pas encore une fois. Le ballon ne sortira pas. La relance des C'est là qu'ils vont faire jouer. Ça, c'est très bien joué. Pressé, très bien. Récupération haute. Poulain pour Benezet. Benezet qui va aller en percussion. Mais un bon retour encore de Savanier. Benezet. Oh, Goulby. Il enchaîne et but. Quel but. Un contrôle extraordinaire. Un contrôle orienté. Une frappe. Quelle action. Superbe, belle action de la part des Nîmois. Certainement, au départ, la récupération dans les pieds des Arlésiennes, des trois Nîmois, a été bénéfique, puisque un superbe but de Gounbilly, et ça fait vraiment plaisir. Et ce n'est que justice, mes chers Olivier et chers Claude. Une frappe magnifiquement placée, parce que même Butel, on a... Hey, franchement, il a dû croire qu'elle passait à côté, parce qu'il a accompagné du regard ce ballon. Qui était j'ai vu rentrer avant qu'il rate tellement on la voyait enveloppée. Il est parti, oui. Mais le ballon, il n'était pas très puissant, juste très bien placé. Il a été surpris, Butel, là. À l'extérieur, comme ça, on sent une équipe qui joue à 40% de son potentiel, qui se lâche pas, qui est tendue, qui a peur de mal faire, qui a peur de prendre un but. Ah voilà, c'est ça, c'est vraiment de la tension. Ouais, parce ça se même, sent. Même ce qui est fait, c'est même pas propre. Allez, voilà, avec du Benezet. Oui. Oh, que c'est bien joué, superbe but. Nicolas Benezet pour Saïd Koné. Superbe but, et le Koné. Superbe but de Koné, première intention. Parfait. Bien joué les gars. Et c'est encore avec du Benezet sur le côté qui a percuté, qui a donné un bon ballon. Et sans réfléchir, c'est du Koné. Au moment où on disait que Nîmois était tendu, crispé, Benezet n'a pas hésité, n'a pas eu peur d'aller chercher ce ballon dans les pieds de son adversaire direct. Et on l'avait signalé que cette défense était vraiment très lente. Friable. Et à toute en vitesse, Benezet a réussi à non seulement récupérer, accélérer, donner un très bon ballon à Cédou Koné. Ah oui, et Koné, première intention. Première intention, tout en spontanéité, Cédou Koné, qui se remet en confiance et qui marque enfin. Un but Costières. Très très important pour les couleurs nîmoises. Je crois que c'est le pire match de Gumbi que j'ai vu faire. Je crois que. Je pense qu'avec Victor. Voilà, merci. Voilà un cadeau. Allez, ça, c'est cadeau royal. Allez, il faut l'utiliser. Oh oui. Oh là 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 là. Voilà, quel but de Koné. Mais lui, la décade.
Oh là 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 là. C'est au moment où on s'y attendait le moins que sur... Voilà le cadeau qu'on attendait. Doubi de périmé. Alors il faut dire que le Mans nous a bien aidé sur cette action. C'est vraiment incroyable de faire une faute à ce niveau-là. Mais tant mieux pour les Nîmois, on a su profiter de l'offrande et qu'on est à mine. Un scud mémorable qui a battu Jeannot. Eh ben, ils ont été bravés. Jeannot et son fraise, on peut on le dire. On a fait un cadeau et ils nous l'ont rendu, voilà. Les manchots. Ah ouais, ouais, ouais. Encore qu'il fallait encore le mettre celui-là parce que. Ouais. Il avait la position, on pensait tous qu'il allait la donner à Granic qui fait un très bon appel. Et il a dit, eh ben non, j'y vais tout seul. Il a mis petit filet. Un des civilomètres version 2012-2013 que vous découvrez ce soir, nouvelle saison, 6 premiers buts, c'est doux. Quelle est votre réaction justement en découvrant ces réalisations déjà qui rappellent en tout cas 4 de vos buts au Costières? Ah, je suis content, hein. Je suis content. Je l'ai toujours fait et voilà, aujourd'hui je commence à marquer encore des buts. Ah, je suis content et je dis merci à mes potes qui me régale et qui continue à me régaler. Le but du Mans, le doublé du Mans a été le déclencheur pour votre saison, pour vous, en termes de mental? Oui, je peux dire que ouais, c'était le déclencheur parce que j'étais pas bien. J'étais pas bien, je doutais pas de moi, mais j'étais pas bien. Il fallait que je me remette à marquer des buts, comme je savais le faire. Donc... voilà, je peux dire que ça a été le déclencheur. Quoi. En tout cas, un top but qu'on espère voir s'enrichir d'autres de vos réalisations tout au long de la saison, c'est doux. Et qu'on aura plaisir à commenter avec, vous avez vu, Patrick et Olivier, toujours très en voix. Allez, on va revenir sur notre invité fil rouge, en tout cas notre photo mystère de cette émission. Il est milieu défensif, il a apporté le maillot du Nîmes Olympique à 343 reprises, inscrit 46 buts, il est champion de France avec Bordeaux à 3 reprises, vainqueur de la Coupe de France en 1986-1987. Il a porté le maillot du Nîmes Olympique, il a aidé à la montée du club en 91. Il est de Vauvert ? Il est de Vauvert. Allez, réponse de suite immédiatement. Vous allez le reconnaître, c'est tout, c'est obligé. Voici, on va décaler la photo. Monsieur René Girard, avec Patrick, une photo prise à l'époque au stade Marcel Rouvière. Ouais, c'est là où on s'entraînait. Disons que c'était Kader Firoud, l'entraîneur emblématique. Donc on montait, on s'entraînait sur un stabilisé. Donc les anciens Nîmois venaient voir les entraînements. Et c'est vrai que ce n'était pas des pelouses. On parle presque de 40 ans en arrière. Et la petite photo qui est juste derrière, voilà René, qu'on salue bien. Et c'est Jean-Claude Mitte, le stoppeur de l'époque. Là, disons qu'on parle il y a 40 ans déjà, mais je crois qu'il n'a pas changé, l'aîné. Il a levé quelques cheveux blancs et la moustache en moins. La moustache était remarquable. Ah, hein. Ouais, ouais. On voulait vous la proposer. En tout cas, chaque semaine, on va essayer de vous proposer là quelques tests connus. Superbe idée de Christophe. Peut-être un jour, du côté du Nîmes Olympique. Il faut imaginer ces doux de Caradag. Il rigole, mais regarde. Avec une autre coupe de cheveux, peut-être. Sûrement. Notamment la coupe de cheveux qui est sur votre fiche de la LFP, qui est assez remarquable. Ouais, avec... un peu Jackson 5, c'est ça. Voilà. En tout cas, c'est doux. On vous souhaite un bon match pour vendredi. J'imagine beaucoup d'espoir pour ce déplacement à Angers. Merci. Et on vous donne rendez-vous mardi prochain, Olivier, Patrick, pour un nouveau numéro de Croco Hebdo, même jour, même heure, à 19h45 sur TV Sud. Merci de votre fidélité et... Allez Nîmes. Allez Nîmes, au revoir.